lâche rien, on 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 lâche rien. La loi travail est une nouvelle étape dans la construction d'une société capitaliste pur jus, d'une société du tous contre tous. Le gouvernement propose de creuser les inégalités. Le gouvernement propose aux salariés de se soumettre. Le gouvernement propose aux privés d'emploi de se livrer entre eux une guerre sans merci. Salariés et privés d'emploi doivent se livrer une guerre pour des emplois sous-payés, pour des temps de travail dignes du 19e siècle, pour être corvéables à merci. La Révolution française a mis fin à la corvée, le travail gratuit pour le seigneur et le maître, l'oligarchie, Valls, Hollande, Gattaz, Berger, entend la réintroduire aujourd'hui. Mais ils ont raison, la meilleure solution pour ce fameux coût du travail qui les obnubile, c'est de ne pas payer les salariés. Combien d'heures sup t'on payé? Quel droit à la déconnexion des salariés et des cadres en particulier? Qui veut introduire dans le code du travail du temps de repos fractionné? Ce sont eux. Oui, nous voulons le retrait de la loi travail. Oui, nous voulons une réforme du code du travail. Oui, nous revendiquons des droits nouveaux pour les salariés. Oui, nous revendiquons que les salariés, que le peuple soit respecté. On est déjà très clair pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est 50% des étudiants qui sont salariés. Parce qu'aujourd'hui, le budget des facs diminue. Et on est aussi précaire sur l'insertion dans le marché du travail. Parce que c'est 75% des CDD qui sont remplis par des jeunes. Parce que c'est 25% des jeunes qui sont au chômage. Aujourd'hui, ce projet de loi, il nous précarise encore plus. Alors que Hollande, il avait été élu ben justement pour éviter ça, parce qu'on en avait marre. Et aujourd'hui, ce projet de loi, il nous précarise pourquoi? Parce qu'on va faire un temps de travail énorme, jusqu'à 46 heures par semaine. C'est pas des choses qu'on veut. Parce qu'on sera moins payé. La baisse des majorations, c'est pas possible. De 25 à 10%, c'est pas possible. L'élargissement du forfait jour, on n'en veut pas. On veut mieux que ça. On veut mieux que ça. Et les jeunes sont vraiment touchés par cette loi. Pourquoi? Parce que quand on a moins de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise et qu'on nous dit qu'on aura maximum 3 mois d'indemnité prix Nobel, ça, on n'en veut pas. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé le 9 mars. Et c'est pour ça que le 31, on sera là aussi. Retrait! Retrait! Retrait de la loi de travail! Retrait de la loi de travail. On a voulu nous séparer, le gouvernement a cru qu'il pourrait faire sortir la fonction publique en lui proposant quelques améliorations de salaire. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que d'abord la fonction publique c'est 40% de précaires. Et nous savons très bien ce que signifient les dégradations des conditions de travail, car nous en souffrons depuis des années et que tout le monde a pu se rendre compte de la dégradation des services publics. Cette société-là, nous n'en voulons pas. Et nous avons, avec tous les syndicats de lutte, continué à demander le retrait de cette loi. Nous serons dans la rue le 31 mars, nous serons dans la rue au-delà du 31 mars pour obtenir non seulement le retrait de cette loi, mais une loi alternative, le passage aux 32 heures et toutes les solutions que nous connaissons depuis longtemps pour arriver à une véritable société plus juste et pour tout le monde. Dans la rue, tous ensemble, au 31 mars et au-delà pour la grève générale. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vraiment m'étendre sur la loi travail. Vous savez tous pourquoi on est là. Nous, notre projet, il est clair. Les 32 heures, c'est un projet, c'est pas seulement une utopie. Aujourd'hui, on va vous dire que les étudiants sur le campus sont très mobilisés. On a même pris un amphi pour en faire notre QG. On est 24 heures sur 24 dedans. On fait de l'éducation populaire toute la journée, des conférences. On fait des conférences, on diffuse des films, on essaye de mobiliser un maximum la jeunesse. Parce que comme vous le comprenez tous, elle est directement touchée, autant que vous tous. On est donc là pour représenter cette jeunesse, l'entraîner à se mobiliser, et se mobiliser très certainement le 31 mars, pour que la lutte continue et termine avec la fin de ce projet de loi.
Mais revenir sur un pont, on est devant le siège du PS. Et après le 9 mars, il y a Madame El Khomri qui a dit « Je suis fier que tous les citoyens, notamment les jeunes, participent au dialogue social. » Alors on veut bien participer au dialogue social, mais il est où le dialogue social? Quand vous nous proposez un projet de loi qui ne promet que la précarité et le chômage, quand vous nous proposez aucun avenir, quand vous nous proposez aucune forme viable de travail. Alors on est là pour se mobiliser pour les 32 heures et pas pour les 60 heures. On est là, on se mobilise. Et j'aimerais dire quelque chose à M. Hollande ou M. Gatta, je ne me souviens jamais qui a été élu en 2012. J'aimerais dire que vous nous avez promis la priorité jeunesse. Et elle est où la priorité jeunesse quand vous nous enlevez des profs? Quand vous nous envoyez en abattoir dans l'école? Quand vous nous donnez aucun avenir? Alors continuez avec cet état d'urgence fortement démocratique. Continuez à nous priver de liberté. Continuez à nous interdire de manifester. Continuez à nous donner des lois de travail qui sont des lois d'esclavage. Aujourd'hui nous sommes des milliers en France, mais demain nous serons des millions. Et demain dans la rue, demain côte à côte, syndicats, sans étiquette, partis politiques, on s'en fout. Vieux, jeunes, on sera tous ensemble et on fera tomber le gouvernement. Merci. Il y avait le mouvement des intermittents et précaires dans toute la France qui était mobilisé contre la réforme de l'UNEDIC avec les droits rechargeables. Et on avait fait une action à une trentaine et on avait déménagé tout ce qui était à l'intérieur de la fédération du PS. On était ici installés et on avait exigé que les responsables socialistes discutent avec nous pour s'engager à refuser la loi Rebsamen il y a un an. Et le bilan des cours, c'est que la lutte avait payé, puisqu'ils n'ont pas pu imposer non seulement la réforme des intermittents, mais ils ont été retoqués aussi au niveau des droits rechargeables qui avaient été attaqués au Conseil d'État. Donc la leçon de l'an dernier, c'est que la lutte, elle paye, et il faut qu'on continue tous ensemble. Aussi, le 24 aujourd'hui, c'est les négociations UNEDIC, où le gouvernement a dit qu'il voulait que l'UNEDIC fasse 800 millions d'économies, parce que, soi-disant, il y avait des déficits. Donc évidemment, avec le chômage, eh ben, ça fait plus de chômeurs, donc des déficits qui augmentent. Et ce qu'on essaye de faire passer aussi comme message, c'est qu'il est hors de question que ce soit encore une fois les précaires, les chômeurs, qui payent le prix des choix libéraux au niveau économique et gouvernementaux. Et donc, chômeurs, précaires, intermittents, salariés, tous dans la rue le 31. On manifeste, on fait grève et on continue. Oubliez ce qu'on va vous apprendre sur le libéralisme. Le libéralisme, c'est la mise en concurrence entre les peuples. Et nous, on n'est pas venus sur Terre pour être en concurrence entre les peuples de l'ensemble de la planète. Nous, on veut vivre ensemble, travailler ensemble. On est tous ensemble, de l'Afrique à l'Amérique, de l'Europe, on est tous ensemble. Et c'est le libéralisme économique. C'est tout le posé. Alors, à tous nos profs, de partout, rappelez-leur que nous, c'est pas cette politique mais de mise en concurrence que l'on veut. On veut coopérer, on veut être solidaire, on est tous ensemble, on veut être solidaire. Le socialisme et les militants vous ont mis en forme. Let's go.
Retrait! Retrait de la loi de travail! Retrait! Retrait! Retrait de la loi de travail! Retrait! Retrait! Retrait de la loi de travail!